Marine Soudet, dirigeante d'un organisme de formation qui s'appelle Cyrano Mega. Notre challenge, c'est la transition vers la formation digitale. Depuis septembre, le 1er septembre. Alors, ce qui m'a tout de suite plu, en fait, c'est le salon dans les bureaux, la cheminée, et l'idée qu'on pourrait faire plus facilement des siestes que dans un vrai bureau. Donc là, je me suis dit, c'est là qu'il faut que je vienne travailler, là où on peut faire la sieste. Forcément oui, parce que je suis entourée de personnes qui ne sont pas de la même société que moi. Et j'ai envie de dire, je viens plus avec le sourire. Alors, c'est mon angoisse, depuis toujours. C'est-à-dire que quand je me suis mariée, je me suis dit, mon Dieu, quelle horreur, la routine, il va y avoir la routine, j'avais peur de la routine partout. Donc en fait, j'ai fait en sorte, dans ma vie, qu'il n'y ait jamais de routine. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. C'est que je suis tout le temps en danger, puisque je n'aime pas la routine. En fait, c'est Saint-Augustin, il a dit que l'habitude a fait disparaître l'émerveillement. Et en fait, la routine, c'est pareil. C'est l'idée que l'émerveillement disparaisse de ma vie. Moi, je dois pouvoir m'émerveiller du matin que je me lève jusqu'au soir. Donc, un petit tour dans Nextdoor, et là, forcément, on casse la routine. Je vais pas être très original, ça serait les 4 saisons de Vivaldi. Puisque dans un morceau très court, finalement, on va avoir différents mouvements sur différents rythmes avec différentes émotions qui vont traverser le morceau de musique. Donc il n'y a pas de routine dans ce morceau-là. Chère routine, je sais qu'à chaque instant, tu me hèles pour que je vienne vers toi et que je te prenne par la main. Mais toi et moi, nous n'avons pas d'atome crochu. Je suis à moi toute seule une folie maîtrisée et je tiens à le rester. Alors, bye bye la routine, peut-être à une autre fois, mais pas avec moi.